thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous sommes heureux de vous retrouver. Il y a moi, bien sûr, et puis il y a Tata Naomi et Tonton Josué. Amen. Et avant de commencer, vraiment, parce que c'est le premier dimanche où je fais le culte avec vous, et je voudrais, je crois, vous souhaiter une bonne année 2023, une merveilleuse année 2023, que vraiment le Seigneur puisse vous faire du bien, que vraiment que vous puissiez connaître la réussite dans tous les domaines, que vraiment à l'école, et que vous soyez encore meilleur. Vraiment, je vous souhaite toutes les meilleures choses qui soient sur la terre. Amen. Amen. On va fermer les yeux et on va remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Seigneur, je voudrais encore te dire merci. Merci Seigneur, parce que dans ce dimanche, nous avons encore la possibilité de nous réunir et vraiment de célébrer ton nom. Oui Seigneur, en ce matin, nous voulons chanter ton nom, nous voulons te louer, nous voulons danser pour toi, parce que nous reconnaissons tout ce que tu as eu à faire pour nous Seigneur l'année dernière, et nous voulons déjà te dire merci pour tout ce que tu feras encore en cette année pour nous. Seigneur, que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses et que nous puissions vraiment te rendre ce culte agréable, un culte comme tu les aimes. Dans le nom de Jésus, amen, amen, amen. Avant de commencer, je voudrais juste lire un psaume. Je pense que c'est un psaume que tu connais et que vraiment tu puisses comprendre pourquoi on va louer le Seigneur. Tout simplement aussi parce que nous sommes contents, parce que Dieu a fait beaucoup de choses pour nous, mais aussi parce que la Bible le dit. Et on va lire ensemble le psaume 150. Il n'est pas très long. Si tu as ta Bible à côté de toi, tu peux ouvrir au psaume 150. C'est le dernier psaume de la Bible. Il y en a 150, d'accord? C'est le dernier psaume. Et le psaume 150 dit « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire », ça veut dire dans sa maison. « Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette. » On n'a pas de trompette, mais on va le louer quand même. « Louez-le avec le luth et la harpe. » On n'en a pas, mais on a un piano et puis on a nos voix. Amen. « Louez-le avec le tambourin et avec des danses. » On va le louer avec des danses. Amen. « Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. » « Louez-le avec les cymbales sonores. » « Louez-le avec les cymbales retentissantes. » Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Louez l'Éternel. Et je sais que nous voulons faire. On va le louer avec nos chants. On va le louer avec nos danses. On va le louer avec notre voix, avec nos mains, avec nos pieds. Amen. 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 Je le sais. Oui, je crois. Je crois, Seigneur. Va le refaire. Je sais qu'il m'a sauvé. Son sort m'a racheté. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Mon rédempteur, mon rédempteur, mon rédempteur.
Je suis
Donné. Donc tu dois pouvoir te réjouir, tu dois pouvoir louer le Seigneur. Et je veux que tu puisses mettre un petit peu plus d'entrain quand tu loues le Seigneur, que tu puisses réaliser que tout ce que tu es en train de voir, la nature, tout, ça c'est le Seigneur. Que tu puisses réaliser que s'il n'y avait pas le Seigneur, eh bien, il n'y aurait rien eu de cela et que toi tu n'aurais même pas existé. Alors on va encore reprendre ce refrain de tout notre cœur et on va offrir cette louange au Seigneur. Car je crois que le Seigneur il est dans le ciel et il attend cette louange. Il attend cette louange. Il n'attend pas la louange de chanteur professionnel. Il attend ta louange. Oui, il attend ta louange. Il veut entendre la louange des enfants aujourd'hui. Je crois vraiment qu'il veut entendre la louange des enfants aujourd'hui. Alors si tu es assis, je vais te demander de te lever. Et on va reprendre ce refrain de tout notre cœur pour que notre louange puisse parvenir jusqu'au ciel et que le Seigneur soit heureux, content de nous entendre. Amen. 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 On reprend. Je louerai son nom. Non, ce n'est pas vrai. Tu es un victorieux, tu es un conquérant. Amen. 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 Quelle joie tu vis en moi.
montrer à moi de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je tout en dans l'éternel. Jésus, qui a raison de te louer. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je nous en éternel. Alors, est-ce que tu peux louer le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux le jouer? Parce que Jésus a accepté de mourir à ta place. Jésus a accepté de prendre tous tes péchés, toutes les maladies qu'il y avait sur terre. Et il est mort. Il est mort pour que je puisse avoir la vie. Il est mort pour que tu puisses avoir la vie. Alors, est-ce que tu peux encore le louer pour cela? Est-ce que tu peux le louer et dire merci, Seigneur? Parce que si je suis en vie, c'est parce que tu as accepté. Tu as accepté de prendre ma place. Alors que j'étais pécheur, tu as accepté de prendre ma place. Oh Jésus, je viens louer ton nom. Je viens louer ton nom, Jésus. Je viens louer ton nom, Jésus. Je viens louer ton nom, Jésus. Est-ce qu'il y a un enfant qui peut louer le nom de Jésus? Ah oui, viens louer le nom de Jésus. Celui qui a accepté de prendre ta place. Celui qui était dans la gloire de son Père dans le ciel et qui a accepté de se faire homme. Qui a accepté de descendre dans la misère de la terre. Oui, et qui a accepté de prendre mes péchés. Il a accepté de prendre tous tes péchés. Et il est mort à la croix. Il est mort à la croix. Oh, pour que nous ayons la vie éternelle. Alors Seigneur, je veux louer ton nom ce matin. Je veux louer ton nom ce matin. Est-ce qu'un enfant peut louer le nom de Jésus en ce matin? Est-ce qu'un enfant peut dire merci Jésus? Merci Jésus, parce que tu as quitté le ciel. Tu es venu sur la terre. De la terre, oh oui, tu es venu à la croix. Et de la croix, oh oui, tu nous as montré la voie. Tu nous as montré comment faire. Tu es notre modèle Jésus. Oh oui. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Mais tu sais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus il a souffert, il est mort sur la croix. Oui, il est mort, il a été enterré dans le tombeau. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Il n'est pas resté dans le tombeau. Jésus n'est pas mort. Il n'est pas mort définitivement. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ressuscité? Ça veut dire qu'il était mort, mais qu'après il est redevenu vivant. Il est redevenu vivant. Oh, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et tu sais maintenant qu'il est vivant. Il est remonté au Père. Il est remonté vers le Père. Et tu sais ce qu'il fait maintenant qu'il est auprès du Père. Il prie pour toi. Il prie pour toi. Il veille sur toi. Oh oui, il veille sur toi. Alors Seigneur, c'est pour cela que je veux te louer. Je veux te louer en ce matin. Je veux te louer en ce matin. Personne n'a jamais fait cela pour moi. Personne n'a fait cela pour moi. Personne n'a fait cela pour toi. Oh non, il est le seul. Il est le seul qui a accepté de mourir pour moi. Il est le seul qui a accepté de mourir pour toi. Il est le seul. Il est le seul. Mais il est mort et ressuscité. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Oh, il est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et tu sais, parce que Jésus est vivant, ça fait toute la différence. Toute la différence de ta vie. Toute la différence de ma vie. Parce que Jésus est vivant. Personne ne pourra te toucher parce que Jésus est vivant. Personne ne pourra faire ce qu'il veut avec toi parce que Jésus est vivant. Et il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Ne doute pas. Il prend soin de toi. Ah. Ah, oui, Jésus. Je veux
peux encore te dire merci. Et quand cette journée, la louange ne quitte jamais la bouche, cette journée, les jours à venir, tant que j'existerai, Seigneur, Seigneur, je voudrais en tout temps te louer, parce que tu es digne de louange. Même les jours où ça ne va pas bien, je veux te louer. Même les jours où j'ai entendu une mauvaise nouvelle, je veux te louer. Même les jours où j'ai eu une mauvaise note à l'école, je veux te louer. Même les jours où je suis malade, je veux te louer. Même les jours où j'ai pas obtenu ce que j'ai demandé de papa et maman, je veux te louer. Même les jours où je ne sais pas quoi faire, où je réfléchis tellement, je veux te louer, Seigneur. Oui, tant que je vivrai, je voudrais te louer. Je voudrais te louer, Seigneur. Tu es digne de louange. Et je veux encore te louer pour ta parole. Te louer parce que tu veux nous parler encore en ce matin. Et ta parole nous fait du bien, Seigneur. Seigneur, lorsque tu envoies ta parole, lorsque tu nous donnes ta parole, elle fait toujours quelque chose. Peut-être qu'on n'en s'en rend pas compte tout de suite, mais ta parole agit, Seigneur. Elle agit toujours. Et je crois qu'en ce matin, elle va agir dans le cœur d'un enfant. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur, tu es tellement bon. Le Seigneur est tellement bon, tellement bon. Et je veux que tu puisses goûter à sa bonté encore en ce jour. Oui, la bonté de Dieu se goûte, hein? C'est ce que le psalmiste nous dit. On veut goûter, on ne veut pas seulement voir, on veut goûter aussi la bonté. La bonté de l'Éternel, c'est comme un bon bonbon qu'on apprécie. Amen. Amen. Alors, on continue. Tu sais, depuis le début du mois de janvier avec Tata Maud, on a vu que Jésus est notre modèle. Et c'est tellement merveilleux parce que Jésus, il a été un enfant comme toi. Jésus, il n'est pas arrivé sur la terre en ayant 33 ans, en ayant 30 ans ou 25 ans. Jésus, quand il est venu, on a vu ça pendant le mois de décembre, que Jésus est venu vraiment comme un bébé. Et Jésus a été un enfant et c'est merveilleux. Et on a vu que c'est un enfant et on peut prendre exemple sur lui. Et toi, tu dois prendre exemple sur Jésus. Avec Tata Maud, tu as vu que Jésus, il aimait aller au temple, hein. Même quand il était jeune, il aimait aller au temple. Et puis aussi, quand il a été plus grand, on disait qu'il allait à la synagogue. C'est comme l'église, d'accord? Et donc, toi aussi, comme Jésus, tu dois aimer aller à l'église. Hein? Est-ce que tu es là à la maison et tu dis, j'aime pas trop aller à l'église, je m'ennuie? Non, tu dois aimer aller à l'église parce que Jésus aimait aller au temple, d'accord? Avec Tata Maud, on a vu aussi que Jésus était obéissant. Il était vraiment obéissant. On a vu qu'il obéissait à son papa et à sa maman, à Joseph et Marie, mais il obéissait aussi à son Père céleste, à Dieu. Et que toi aussi, comme Jésus, tu dois être obéissant. Quand tes parents te demandent de faire quelque chose, tu dois faire. Hein? Tu dois être obéissant comme Jésus. Et là, on va continuer encore aujourd'hui et on va copier Jésus, c'est-à-dire qu'on veut vraiment essayer de tout notre cœur, avec l'aide du Saint-Esprit, d'être comme Jésus. Alors c'est vrai que quand on lit la Bible ne nous donne pas beaucoup, beaucoup de détails sur l'enfance de Jésus. Mais je réfléchis et je me dis que si Jésus était un enfant, eh bien Jésus, il aimait jouer. J'imagine que Jésus aimait jouer comme toi, tu aimes jouer. J'imagine que Jésus, franchement, je crois qu'il aidait aussi son père. Parce que tu sais, son père Joseph était charpentier. Et charpentier, c'était un métier qui était très, très important à l'époque. Même aujourd'hui, parce que ça permet de construire les bâtiments, les maisons. Et j'imagine que Jésus, il devait aider son papa aussi dans son travail. Comme toi, parfois, tu aides maman et papa. Mais il y a quand même une petite différence. Même si Jésus était un enfant comme toi, comme moi quand j'étais enfant, il y avait une chose par contre, Jésus n'a jamais péché. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Comment être comme Jésus? Parce que Jésus, il n'a jamais péché. Ça veut dire que quand Jésus jouait avec ses camarades, il n'a jamais triché. Peut-être que toi, parfois, tu triches quand tu joues avec tes camarades. Mais Jésus, lui, il n'a jamais triché. Jésus ne s'est jamais disputé avec ses amis. Il n'y a jamais eu de bagarre avec ses amis.
Jésus n'a jamais dit de mauvaises paroles. Il n'a jamais dit à Marie, « Ah Marie, tu m'embêtes à me demander de faire ça. » Il n'a jamais dit à Marie, « Je ne veux pas faire la vaisselle aujourd'hui. » Il était parfait. C'était un enfant parfait. Hein? Et nous, c'est vrai que... Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, j'étais loin, loin, loin d'être parfaite. Et peut-être que toi, tu étais aussi loin, loin, loin d'être parfaite. Mais on va voir qu'avec le Seigneur, c'est possible. C'est possible vraiment de nous éloigner du péché. D'accord? Donc, Jésus était un enfant comme toi, mais Jésus faisait la même chose que toi. Par contre, Jésus n'a jamais péché. Mais est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est le péché? Parce qu'on parle du péché, on parle qu'il ne faut pas pécher. Mais est-ce que tu sais réellement qu'est-ce que le péché? Alors, je vais essayer en quelques minutes de t'expliquer rapidement qu'est-ce que le péché. Le péché, déjà, il faut savoir que ça veut dire qu'on désobéit à Dieu. Et ça, c'est une mauvaise chose. Ça veut dire le péché, c'est que Dieu te demande de faire certaines choses. La parole de Dieu dans la Bible te dit de faire certaines choses ou de ne pas faire certaines choses. Mais toi, tu désobéis. Et c'est ça le péché. Et il y a plusieurs façons de désobéir à Dieu. Il y a plusieurs façons de pécher. Et peut-être que des fois, tu le fais en étant conscient, ça veut dire que tu fais, tu sais que tu es en train de pécher. Et il y a d'autres fois où tu ne sais pas que c'est le péché, donc tu ne sais pas que tu es en train de pécher. Il y a plusieurs façons de pécher. Déjà, est-ce que tu sais que tu peux pécher avec ta bouche? Oui, tu peux pécher avec ta bouche. Quand, par exemple, tu dis de mauvaises choses, tu insultes quelqu'un, là, tu es en train de pécher. Quand tu es en train de mentir à la maîtresse avec la bouche, tu es en train de pécher. Quand tu es en train de te moquer de ton camarade parce qu'aujourd'hui, il est venu avec un pantalon bizarre, tu es en train de pécher. Donc, on peut pécher avec la bouche, d'accord? Mais pas seulement, on peut pécher aussi avec les mains. Et les pieds, quand par exemple tu es en train de te bagarrer avec les mains, des coups de pied, des coups de main, des coups de poing, tu es en train de pécher. Ça c'est aussi le péché. Quand tu frappes quelqu'un, ça c'est le péché avec les mains, d'accord? Mais tu peux pécher aussi avec les yeux. Ça veut dire que lorsque tu regardes de mauvaises choses, que ce soit à la télé, que ce soit sur ton téléphone, que ce soit sur l'ordinateur, eh bien oui, tu peux pécher avec les yeux. Parce que tu es en train de regarder de mauvaises images et ces mauvaises images entrent en toi et ce sont de mauvaises choses. Donc, on peut pécher avec les yeux. On peut pécher aussi avec les oreilles. Quand tu écoutes, par exemple, de la mauvaise musique, des musiques, quand tu écoutes les paroles de ces musiques où ça veut dire n'importe quoi, d'accord? Eh bien, tu es en train de pécher. Lorsque tu écoutes de mauvaises conversations, tu es en train de pécher. Et tu peux pécher aussi avec les pensées. Tu sais, les pensées, c'est ce que tu as dans la tête. Et bien, des fois, c'est vrai qu'on a de bonnes pensées, mais parfois aussi, on a de mauvaises pensées. Quand, par exemple, tu es jaloux ou tu envies, par exemple, quelqu'un, tu envies ce que ton camarade a, et bien, tu es en train de pécher. Quand, par exemple, tu ne veux pas pardonner, tu es en train de pécher. C'est quelque chose qui se passe dans le cœur. Tu refuses de pardonner, tu es en train de pécher. Et tu vois qu'il y a tellement de façons de pécher. Et encore, j'ai vu juste quelques façons. Mais il y a tellement, tellement de façons de pécher. Et il faut que tu saches que le péché est mauvais. Le péché est mauvais. Tu dois fuir le péché. Tu dois fuir le péché. Tu ne dois pas jouer avec le péché. Tu sais, c'est comme si tu étais en train de jouer avec un lion. Tu sais, tu es en train de jouer avec un lion. Alors, par exemple, il est petit. C'est un lionceau. Donc, tu joues avec lui. Il ne te fait rien, d'accord? Parce qu'il est tout petit. Et puis, au fur et à mesure, il grandit. Mais tu continues à jouer avec lui. Il grandit. Tu continues à jouer avec lui. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin? Hein? Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Le lion, il va te manger, il va arracher ton bras, il va te manger tout entier. Et c'est ce qui se passe avec le péché. Peut-être que parfois, tu te dis, c'est un tout petit péché, ce n'est pas grave. Personne ne m'a vu, m'a entendu mentir. Personne ne sait que j'ai menti et que j'ai accusé l'autre. Personne ne sait que j'ai volé ce bonbon. Personne ne sait. Tu te dis, c'est un petit péché, ce n'est pas grave.
Et puis tu sais, si tu as pris l'habitude de mentir et de penser que ce n'est pas grave, et bien tu vas continuer à mentir jusqu'à ce que ce soit vraiment que tu aies plein de problèmes. Parce qu'on a vu que le lion, quand il est petit, il ne va peut-être pas te faire grand-chose. Mais quand il va grandir, là, il va te manger tout entier. Et c'est la même chose avec le péché. On ne doit pas jouer avec le péché. On ne doit pas accepter le péché. Même si ça te paraît être tout petit. Même si tu te dis, mais mon camarade, il a tellement de stylos et que je lui ai pris ce stylo, mais c'est comme si il a tellement de choses, il a tellement de joie qu'il ne s'est même pas rendu compte que je lui ai pris ça. Ce n'est pas grave. À tes yeux, ce n'est pas grave. Mais pour Dieu, c'est très grave. Pourquoi ? Parce que Dieu déteste le péché. Il déteste le péché. Tu sais pourquoi il déteste le péché ? Parce que le péché te sépare de lui. Lorsque tu as péché, même lorsque tu as menti, tu es séparé de Dieu. Et on sait que lorsqu'on est séparé de Dieu, lorsqu'on a le péché en nous, eh ben, notre fin, c'est la mort. C'est ce que la Bible nous dit, que le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu ne veut pas que tu meures. Et moi non plus, je ne veux pas que tu meures. Est-ce que tu sais que moi, je t'aime? Même si je ne te connais pas, je t'aime. Je t'aime simplement. Tes parents t'aiment. Et est-ce que tu sais que Dieu t'aime encore beaucoup, beaucoup plus? Et Jésus et Dieu ne veulent pas que tu puisses mourir. Et c'est pour ça que Dieu, il a envoyé son fils Jésus sur terre. Pour que Jésus puisse porter tous nos péchés, tout. C'est comme si, imagine-toi que Jésus avait sur ses épaules tous les péchés de tout le monde. Tu t'imagines que ça pesait lourd. Parce que normalement, à cause du péché, j'aurais dû mourir. Tu aurais dû mourir. Mais Jésus a accepté de prendre mon péché. Jésus a accepté de prendre ton péché. Moi, j'imagine Jésus avec une montagne de péchés sur les épaules, une montagne de péchés qui monte jusqu'au ciel, qui dépasse le ciel. Et Jésus, avec ce péché sur le dos, il était obligé de mourir parce qu'on a dit que qui dit péché dit mort. Mais au lieu de mourir toi ou moi, il est mort à notre place. Il est mort à notre place pour que nous ne puissions pas mourir, mais pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Mais ce qui est merveilleux, comme on l'a vu, il est mort, oui, mais après il est ressuscité. Amen. Amen, amen, amen. Alors, notre verset du jour se trouve dans Hébreux. Dans Hébreux 4, verset 15, mais on va lire que la deuxième partie. Et la deuxième partie de ce verset nous dit, donc Hébreux 4, le verset 15, nous dit, « Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. » Sans commettre de péché. Il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Il est question de Jésus. Et effectivement, lorsque Jésus était petit, lorsque Jésus était plus grand, lorsqu'il était sur terre, il a été tenté. Hein? On a déjà vu cette leçon, comment le diable l'a tenté. Jésus était homme quand il était sur terre. Donc, il était tenté par plein de choses. J'imagine que quand il était petit, il était tenté. Peut-être qu'il était tenté peut-être de mentir ou de faire quelque chose. Il était tenté. Mais on nous dit qu'il n'a pas commis de péché. Et lui qui n'a pas commis de péché, il s'est fait péché pour nous afin que nous ayons la vie. C'est merveilleux ça. C'est merveilleux. Et c'est pour ça que tu dois louer vraiment le Seigneur. Et peut-être que tu es là et que tu as déjà donné ta vie au Seigneur. Mais tu te rends compte que, Seigneur, même si je t'ai donné ma vie, c'est tellement difficile de ne pas pécher. C'est tellement difficile. Des fois, je ne me rends même pas compte que j'ai péché. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'avec Jésus, il y a toujours cette possibilité. Même si tu as péché, tu demandes pardon. Et de nouveau, tu sais, lorsque tu pèches, ton cœur devient tout noir. Et lorsque tu as péché, que tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Et il vient te laver de tous tes péchés. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Jean 1 au verset 9. Que si l'on confesse nos péchés, si on demande pardon au Seigneur lorsqu'on a péché, eh bien il est fidèle et juste, il le fera. Tu sais, la parole nous dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il pardonne autant de fois qu'il faut pardonner. Donc lorsque tu fais quelque chose et que tu sais que c'est mal aux yeux du Seigneur, donc ne reste pas comme ça. Ne reste pas comme ça, tu lui demandes pardon. Parce que j'espère que tu as compris que le péché est très mal.
et que le Seigneur ne veut pas que tu sois avec le péché, parce que si tu es avec le péché, ça va mal se finir. Et j'espère que tu as compris vraiment. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit te permette de comprendre que normalement, on devait tous mourir. Mais parce que Jésus a pris nos péchés, il est mort à notre place, que là nous avons la possibilité de vivre. Et de vivre sur cette terre et de vivre aussi au ciel. Amen. Alors peut-être que tu m'écoutes et que tu te rends compte que lorsque je parlais des différents péchés, tu te dis, mais effectivement j'ai fait ça, j'ai fait ça. Est-ce que tu peux fermer les yeux et est-ce que tu peux demander pardon au Seigneur? Peut-être que tu n'as jamais fait la paix avec le Seigneur. Donc, est-ce que tu peux faire cette prière? Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai fait toutes ces choses. Et maintenant, je comprends que je t'ai attristé. Et maintenant, je veux vraiment te dire que je ne veux plus recommencer. Et je t'invite dans mon cœur afin que tu puisses m'aider à ne plus recommencer. Seigneur, je te donne ma vie. Et peut-être que tu es là et que tu as déjà donné ta vie au Seigneur, mais que c'est trop fort pour toi. Tu n'arrêtes pas de mentir, c'est plus fort que toi. Tu n'arrives pas à contrôler ou même à tricher à l'école. C'est plus fort que toi. Est-ce que tu peux fermer les yeux aussi? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi? Seigneur, pardonne-moi parce que je sais que cela est mal. Mais Seigneur, je n'y arrive pas. Est-ce que ton Esprit Saint, est-ce que ton Esprit Saint peut m'aider? Est-ce qu'il peut m'aider lorsque je suis tentée? Est-ce qu'il peut m'aider lorsque je suis tentée? Est-ce que il peut m'aider à résister? Et je crois que le Seigneur le fait. Je crois que le Seigneur le fait. Si tu le lui demandes, il le fera. Si tu le demandes de tout ton cœur, si tu reconnais que ce que tu as fait est mal et que tu demandes pardon de tout ton cœur, le Seigneur va t'aider à ne plus retomber dans ces choses. Il va t'aider à ne plus pécher, à ne plus faire ces choses qui l'attristent. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. On va encore chanter un dernier chant parce que franchement nous sommes contents. Nous sommes contents parce que le Seigneur nous donne la possibilité de résister contre le péché. Il nous donne la possibilité vraiment de vivre et d'avoir la vie éternelle. Amen, amen. Je sais. Oui, il m'a sauvé, il t'a sauvé aussi. Ton sang a coulé. Oui, je crois. Moi, je te dis que tu vas réussir à résister, tu vas réussir dans le nom de Jésus. Oui, il va te transformer dans le nom de Jésus. Il va te rendre conforme comme lui. De la même façon, on est en train de voir que Jésus est un enfant parfait et il veut que tu sois comme lui et il fait tout pour cela. Amen, amen. Je te souhaite un bon dimanche et à la prochaine. Oh, I've heard a thousand stories of what they think you're like, but I've heard the 10